J'ai jamais pu m'enlever de l'esprit qu'est-ce que vous voulez qu'un gouvernement s'est fait pour gouverner. À un moment donné, il faut bien aux électeurs leur dire ça. Si vous avez peur de nous, nous élisez-nous pas. Mais si nous sommes élus, nous allons gouverner en fonction d'un certain nombre d'idées que nous avons. Mentalité de Jacques Parizeau. Monsieur Parizeau est un prodige, un économiste, un haut fonctionnaire, un homme d'affaires, un politicien de grève, talent. C'est un peu du jamais vu, quelqu'un qui a aussi, je dirais pas de talent, mais de aptitude de s'infiltrer dans n'importe quel département qui roule l'économie ou la société ou le gouvernement. Mais il y a des aptitudes qui sont très intéressantes. Commençons. Il a reçu son doctorat au prestigieux London School of Economics, qui est une des écoles les plus réputées à travers le monde dans ce domaine, dans le domaine de l'économie. Et avec tout ce qu'il a appris, il a mis son diplôme en jeu. Durant la Révolution tranquille, il était le meilleur conseiller de le gouvernement, le premier ministre à l'époque, René Lévesque. Il créa la nationalisation de l'électricité au Québec et aussi créa la régie de rente du Québec. Sa contribution était majeure durant les années 60. Grâce au diplôme qu'il a reçu, mais encore mieux, grâce à sa intégrité de l'utiliser et de le mettre à main d'œuvre. Sa tactique de faire en fait que d'autres nations reconnaissent la souveraineté du Québec était une des meilleures. Parfois, il est allé en France pour rencontrer des chefs d'État. En fait, il a rencontré le maire de Paris à l'époque, Jacques Chirac. Mais cette tactique était surtout pour les Américains. Parce qu'ils savaient que les Américains voulaient toujours être les premiers, les first. Et c'est sûr qu'ils savaient que les Américains n'ont pas voulu que un autre pays que leur pays reconnaisse le Québec comme une souveraineté. So, ils savent qu'ils ont un style d'orgueil comme ça. Surtout que le Québec est juste en haut des États-Unis. C'est une meilleure technique, une meilleure tactique de, je dirais pas de manipulation, mais de. Ça fait en fait que le monde va changer d'idée rapidement. Et plutôt ce gars qui étudie en économie, ils savent très bien comment ça marche l'économie du Canada. Et je suis sûr qu'ils savent comment ça marchait l'économie aux États-Unis aussi. Et plutôt, le Canada et les États-Unis sont deux pays voisins. La coalition souverainiste, ce fameux trio
Parizeau, Bouchard et Dumont, qui a été établi quelques mois avant la fameuse élection du 30 octobre 1995. Mais avec ces coalitions-là, il semble avoir eu des ponts brisés, surtout entre Parizeau et Bouchard. Et surtout lorsque Parizeau faisait des campagnes électorales à travers le Québec. Il manquait des bouts, on dit, il manquait des gens qui sont pour lui. Des gens qui n'étaient pas pour lui, jusque. Il manquait des chapitres, on dirait. Surtout des gens de la mi-moyenne, des classes mi-moyennes, d'école bleue. Il y a quelque chose qui manquait. Il y avait une connexion qui s'est pas faite. Ou la connexion n'était pas bien faite. Aussi, le pont qui était entre Parizeau et Bouchard semblait de vibrer. Il craquait un peu. Moi, je dis que si le pont était plus solide, plus droit entre Parizeau et Bouchard, peut-être le Québec serait en ce moment un pays souverainiste. C'est plus que les votes des anglophones, des immigrants. C'est des tactiques à l'intérieur du groupe qui manquaient. Nous reconnaîtrons toujours les actes que M. Parizeau a fait pour le Québec. À cause de lui, nous avons la nationalisation de l'électricité dans la province. Et aussi, il était un des membres les plus influençables pour la création de la régie des rentes au Québec. Sa contribution est majeure. Sans lui, nous ne serons jamais où ce que le Québec serait en ce moment. Mais sa mentalité de progression, sa mentalité d'être impliqué à tout ce qui est économique, social, politique, qui a changé le paysage du Québec. Et un de ses motos, c'est « N'ayez pas peur ». Et c'est tout pour aujourd'hui, chers spectateurs. Comme je dis, restez sur place, prenez note et tournez au prochain chapitre.